C'est une espèce de bataille qu'on mène depuis 48 heures, où on essaie de contenir et de maîtriser l'évolution du solde de clients coupés, puisque finalement, il y en a qui rentrent et il y en a qu'on réalimente. Bon, nos réseaux, ils sont conçus pour résister à des vitesses de vent largement supérieures, sauf qu'effectivement, les arbres tombent sur les lignes et là, les conducteurs se cassent et donc provoquent une interruption d'électricité.